Bonjour à tous, c'est Karine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis contente d'être avec vous pour pouvoir partager une recette simple et rapide et de saison. Merci de votre fidélité, ce qui m'encourage à cuisiner pour vous. Aujourd'hui, je vais partager la recette des crêpes soufflées lardons et emmental pour l'apéritif. Je vous mettrai tous les ingrédients dans le descriptif de la recette. Dans un récipient, j'ai mis la farine, les œufs, le sel, le poivre. Je vais mélanger. J'ai pris un récipient avec un bec verseur. Pour tout à l'heure, pour mettre dans les petits moules, ça sera beaucoup plus pratique. L'appareil est mélangé, je réserve. J'ai pris un moule, un mini cannelé. Vous pouvez prendre le moule que vous voulez. Je vais mettre des lardons allumettes dans chaque mini cannelé avec un petit peu d'emmental et je recouvrirai de la pâte à crêpes. J'ai mis les lardons dans tous les mini cannelés. Je vais faire de même pour l'emmental. Vous pouvez mettre ce que vous voulez comme fromage, hein, ce que vous avez en fait. Toutes les empreintes sont pleines. Je vais mettre de la pâte à crêpes. Vous mettez aux 3/4. Et vous faites ça jusqu'à épuisement de la pâte. Toutes les empreintes sont pleines. J'ai préchauffé mon four à 190 degrés et je vais les cuire 20 minutes. Les crêpes soufflées au lardon sont cuites. Bonne dégustation! J'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker si vous avez aimé. Bonne dégustation et à dimanche prochain pour une nouvelle recette sur les saveurs d'Annabelle.